Allô? Yes, sir. Voilà. Bonjour Francis, je reconnais ta voix. Parfait. Et moi, je suis en train de te voir pendant que tu interviews Joel Dicker. Moi, je suis. Ah, super. J'ai entendu le début de la conversation. Je suis à ta disposition. Eh bien, Francis Groff, je viens de recevoir il y a quelques semaines l'ouvrage édité aux éditions Weyrich dans la collection donc Noir Corbeau, et ton dernier roman s'intitule Orange Sanguine. C'est bien exact. Oui, depuis, c'est tout frais, en fait, hein, ça fait quoi, 2 semaines maintenant. Et j'ai toujours sans arrêt ce roulement de tambour qui démarre vers 4 heures du matin et ça ne me quitte pas depuis. J'avais même eu envie de mettre en bruit de fond un petit peu cette balade du départ, et c'est, malgré tout, je me suis dit que ça aurait fait peut-être trop de parasites. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que l'affaire se passe à Binche, le jour du carnaval. C'est évidemment le jour où les Gilles sont les rois du carnaval, et toi tu le sais, les Gilles ne peuvent jamais se déplacer sans avoir à leur côté un tamboureur, c'est-à-dire un homme qui joue du tambour. Un Gilles ne peut pas quitter son domicile et circuler sans être accompagné d'un tamboureur. Effectivement, c'est ce tamboureur qui joue les fameux rafla-fla des 21 airs du Gilles qui existent. Oui, d'accord. L'idée de faire dérouler ton suspense à Binche, c'est venu quand ? Parce qu'on avait déjà donc découvert de plutôt mort sur la Sambre. On avait donc été alors par après se balader du côté de Namur. Et maintenant. C'est bien exact, oui. Donc mort sur la Sambre, c'était à Charleroi. Va des rétro Félicien, c'était à Namur dans l'univers de Félicien Hobbes. Tout à fait. Ici, dans Orange Sanguine, nous sommes effectivement au cœur de Binche, qui est une cité magnifique. Alors l'idée, elle existe depuis très longtemps, parce que j'aime beaucoup, je suis vraiment un fan des Gilles. Je n'aime pas la foule en général, mais c'est vrai que j'adore les airs de Gilles. Je deviens un peu sourd, j'entre en transe quand j'entends une musique de Gilles. Et donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Donc j'ai approché un ami qui connaît bien Gilles, qui connaît bien Binche, qui est Gilles lui-même, etc. Je suis allé à 2 reprises en repérage chez lui. Et puis je suis tombé également un peu amoureux de cette cité, qui est une cité médiévale très jolie. Et voilà, les deux ont fait que c'était une belle occasion de voir une action, une fiction qui se déroule à Binche. Tu serais presque frère de lait de Brice de Passe, qui est un grand fan aussi, je pense. Je ne le connais pas bien, mais je le connais mieux sous l'angle Claude François, etc. Enfin, comment s'appellent ces émissions? C'est la story, c'est ça, la story de... Ah, d'accord. Je me souviens, parce que étant jeune, j'y allais souvent. Il faut dire que dans les années, attends un petit peu, c'est très 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 vieux. Donc dans les années 30, mon père, il était au collège, et donc, disons, il avait gardé la nostalgie, si bien que toute notre jeunesse, à chaque Soumons, à chaque carnaval, on y allait, il retrouvait tous ses anciens copains du coin, et c'était vraiment la terrible ambiance. Et il se fait que notre bouquiniste arrive justement le jour ou la veille du carnaval. Et là, il va rendre visite, évidemment, à ce collectionneur, à ce bibliophile. Et surprise et surprise, il se retrouve invité. C'est formidable d'avoir ce genre d'invitation de la part d'un binchou, tout compte fait, et de pouvoir rester intramuros. C'est ça, donc pour que l'auditeur situe bien la chose, mon héros s'appelle Stanislas Barberian, c'est effectivement un bibliophile distingué. Il se rend à Binche parce qu'un collectionneur souhaite lui vendre une série de livres datant de 1710 et qui sont superbement illustrés par des gravures. Donc il se rend chez ce collectionneur qui est
un ancien de la région de Charleroi, un ancien de Caterpillar qui est un peu à la retraite, à la pré-retraite, je dirais, suite à la faillite de son usine. Et ce monsieur se consacre notamment à l'étude de vieux documents, mais aussi, il est le président d'une société de Gilles de la localité. Il y a, je pense, 14 ou 15 sociétés à Binche. Et le fait est qu'il sympathise avec mon personnage, Stanislas Barberian, et lui dit, mais écoutez, mon vieux, nous sommes samedi. Mardi prochain, c'est le mardi gras, je suis Gilles, mon fils l'est également. Si la chose vous intéresse, venez nous voir à 4 heures du matin et vous allez assister à une opération qui est délicate et qui s'appelle le bossage du Gilles. Oui, oui, qui est un épisode incroyable dans la préparation évidemment du Gilles. Et il se fait que ça m'a rappelé aussi un autre souvenir d'enfance, c'est que tu sais, chaque fin d'année, lorsqu'il y avait toujours une petite fête au mois de juin dans les écoles, et je me souviens qu'en quatrième ou cinquième année primaire, à l'Institut Saint-Joseph à Jumet, notre classe avait été, je vais dire, habillée toute en Gilles. Donc nous avions ce chapeau avec ses plumes d'autruche, on avait ces fameuses bosses devant et derrière, ces ceintures avec les grelots. Donc c'était aussi quelque chose, et je me souviens que ça grattait énormément, donc il fallait faire ça correctement, sinon c'était très 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 embêtant, quoi. Bon. Oui, c'est exact. C'est toute la science de celui de l'homme qui va bosser les Gilles. Il doit donc les remplir à l'avant et à l'arrière. Il doit remplir la veste du Gilles avec de la paille. Et tu as tout à fait raison, c'est un exercice difficile parce que ce Gilles va garder son costume pendant au minimum 24 heures sans pouvoir l'enlever. Et donc s'il est mal bossé, si les brins de paille descendent ou s'il le gratte, cet homme va souffrir le martyre. Oui, d'accord. Voilà, donc on est tout au début de l'action, ce Gilles est le premier à quitter son domicile, un tamboureur vient le chercher, la tradition veut qu'un tamboureur vienne chercher un Gilles, ensemble ils vont chercher un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Tout ça en musique évidemment, puisque le Gilles ne peut pas arrêter de danser, même s'il danse sur place, il doit faire claquer ses sabots. Pendant 24 heures, vous imaginez, sauf quand ils mangent. Et donc, ensemble, ils doivent aller chercher les autres Gilles dans les rues avoisinantes. Et c'est là que se produit un crime tout à fait horrible. Tu as une formation de journaliste, Francis. Je suis journaliste, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années. Tu as dû faire des recherches, faire des fouilles dans les archives pour connaître tous les noms, tous les vocabulaires. C'est époustouflant. Mais ça a même été plus loin que ça, parce que lorsque j'ai soumis, donc après deux premières visites, lorsque j'ai soumis à mon ami Gilles l'idée du scénario, donc on aura compris, il s'agit de trucider un Gilles dans les premières pages, mon ami n'était pas du tout d'accord. Il a dit, ça ne se fait pas, c'est une mauvaise idée, mais enfin, rends-toi compte, ici à Binche, on ne peut pas envisager de choses pareilles. Et tout ça se passait lors de l'apéritif, et puis il a commencé à m'expliquer un petit peu ce qu'est le monde des Gilles, et puis après l'entrée, il a dit, il y a peut-être de l'idée, effectivement, je vais expliquer quelle idée je comptais exploiter. Et puis finalement, au pouce café, eh bien, mon ami a dit, ok, je vais t'aider dans tes recherches. Et ça a été le début, et ça c'est vrai, c'est le côté journalistique, ça a été le début d'une véritable recherche, parce que, on ne rit pas avec le carnaval à Binche. Je suis très sérieux en le disant. On m'a fait comprendre, j'ai rencontré plusieurs Gilles. On m'a dit, mon vieux, vous attaquez à quelque chose ici, c'est un monument. Bon, l'idée de tuer un Gilles est en soi assez curieuse, mais on peut la comprendre. Mais attention, un Gilles, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est une culture, ce sont des traditions qu'il convient de respecter en tout point. Mmh. En clair, oui, dit. J'ai écrit une trame qui a été soigneusement revue par deux spécialistes ensuite, parce que je peux te dire que si j'avais commis une erreur en ce qui concerne les règles qui régissent le carnaval et particulièrement les Gilles, je crois que c'est moi qui me serais fait trucider. Oui, mais je connais un petit peu ta méticulosité dans l'écriture et les recherches. Je reviens à un livre précédent, lorsque tu parles de cette péniche qui était l'ancienne chapelle des bateliers, l'ancienne chapelle des bateliers à Marchénaud-Pont. Oui, faut vraiment être du coin pour aller rechercher dans ce détail, rechercher le détail. Hein. Donc c'est vrai. Ce sont des petites habitudes, comme ça on aime bien. Mes romans se produisent dans différentes villes de Belgique, et voilà, c'est sympa
de donner quelques petits clins d'œil comme ça à celui qui est du coin ou qui n'est pas du coin. Les premiers s'y retrouvent et les autres découvrent peut-être des petites choses, des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Il y a une chose qui n'a pas été développée, c'est pas un reproche, mais disons dans l'analyse de chacun des personnages que tu cites, et tu l'abandonnes trop vite, et je me suis dit, tiens, comme il l'abandonne si vite, est-ce que ce n'est pas là qu'il faudra aller gratter? C'est ce Gilles qui ne vient pas tout compte fait, qui se fait remplacer. Bon, il s'est cassé de l'eau, voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il ne vient pas, pourquoi? D'accord, on a appris qu'il était tombé de l'échelle ou d'un... Je ne sais plus trop bien. Mais j'avais l'impression jusqu'aux dernières pages qu'il allait ressurgir. Tu vois, j'avais fait fausse piste. Mon cher Willy, c'est ce qu'un romancier essaye de faire. Moi, j'essaye petitement avec mes moyens. Ouais, mais... Il faut qu'on commence dès le début à lancer des fausses pistes. Mais justement, c'est ça le côté manipulateur. Tu l'as parfaitement compris. Je crois que tu allais me parler d'autre chose. Parce qu'on m'a fait un reproche qui m'a un peu surpris. La compagne de mon personnage principal qui s'appelle Martine, certaines personnes, des dames, m'ont fait le reproche de la considérer ou de la traiter un peu comme une potiche. Donc je pensais que tu allais m'enguirlander Non, enguirlander, non. Voilà, donc il semblerait que je suis un peu macho, mais je vais rectifier dans le prochain. Non, je ne pense pas, je pense même qu'elle avait bien la trempe et le caractère de la dame que tu décris. Et je dois dire, je pense qu'elle avait bien son rôle, il était bien tenu, il fallait la brusquer un peu, mais c'est bon, c'est tout bon. Oui, mais on m'en veut, on me dit qu'elle n'est pas suffisamment active, que comme toujours, ce sont les messieurs qui... Non, les mamas et les femmes italiennes qui sont dans ce milieu-là et qui ont le rôle qu'elle a, elles savent se tenir à carreau, elles ne sont pas exubérantes. Je vais dire, ce sont les touilleuses de sauce qui font beaucoup de bruit, mais les autres, il faut être très prudent, je pense. L'image, mon cher, oui. Alors, il y a encore une autre petite chose, un petit peu, c'est le voyage que tu as fait, la description des sites que vous allez traverser. Et je vais dire, c'est l'agréable surprise de voir par après que tous tes lecteurs jouent le jeu, c'est de présenter ton livre dans des endroits qui ont été cités. C'est très amusant, ça. Oui, donc là tu fais référence à une sorte de making-of en photo que j'ai diffusé pendant quelques jours sur Facebook. Oui. Écoute, on essaye de faire connaître modestement son petit bouquin au plus grand nombre, et c'est vrai que, voilà, je me suis dit comment faire pour attirer un peu l'attention. Je profite d'ailleurs de cet entretien pour souligner que lorsque j'ai publié Mort sur la cendre, c'est toi qui as eu ce coup de génie, et je le dis vraiment sans flagornerie. Sur le pont. Quand tu as mis le livre, souviens-toi, donc le livre, pour ceux qui nous écoutent, se déroule sur une écluse dans la région de Charleroi, près de Pays-d'Aude. À Landely. À Landely, et tu as eu ce coup de génie d'être le premier à publier une photo où on voyait la couverture du livre à côté de la manivelle du pont basculant. Voilà. Et ça a déclenché, et je t'en remercie d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de te le dire, ça a déclenché un mouvement au sein des lecteurs. Et des lecteurs sont partis à gauche, à droite, en France, en Ardennes, en vacances, en pèlerinage, que sais-je. Et j'ai reçu comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos de gens qui avaient le bouquin et qui le mettaient en situation. Pas nécessairement une véritable situation comme tu l'avais fait, mais j'ai par exemple, et ça c'est une photo extraordinaire, quand on sait qu'un civil ne peut pas rentrer dans un cockpit d'avion long courrier, j'ai une photo qui a été faite à 30 000 pieds d'altitude au-dessus du Soudan par un ami qui est allé dans le cockpit d'un A330 dans lequel il a placé la couverture du bouquin, et c'est toi qui avais initié cette série. Donc pour en revenir à ta question, c'est vrai qu'ici je ne savais pas, je ne pourrais pas refaire la même chose, et donc je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas balader les lecteurs potentiels dans Binge, et simplement faire une sorte de making-of où avec chaque jour deux ou trois photos, j'extrayais une phrase du roman et je montrais en photo l'endroit où l'action se déroule. Mmh.
Non, je dois dire, c'est bien de pouvoir faire la promotion aussi de l'ouvrage, parce qu'en même temps, on voit que tu as été sur le terrain, on reconnaît les endroits, on les découvre aussi, parce que j'ai découvert cet ancien bâtiment qui aurait pu être, où la communauté a investi énormément d'argent, dis-tu, pour abandonner le projet par la suite. Donc, ce sont toutes Oui, des c'est vrai, découvertes, notamment à des oui. fameux travaux inutiles. Pardon, C'est un à la voir, un à la voir. habilitation qui jusqu'ici n'a malheureusement abouti à rien. J'ai une grande angoisse aussi, c'est que j'ai lu quelque part ou entendu quelque part que tu allais prendre un congé sabbatique avant de nous proposer le quatrième. Est-ce Voilà. qu'il y aura un Non, je quatrième, pense j'espère? que. Oui, bien sûr. Oui, Ouf! non, simplement, Willy, on est tous les deux dans la branche et toi, tu connais le monde de l'édition beaucoup, beaucoup mieux que moi. Voilà, ici, pour le lancement de cette magnifique collection, la collection Noir Corbeau dont tu parlais tout à l'heure aux éditions Weyrich, je pense qu'il fallait donner un petit coup de boost, un petit coup de tonus. Et donc, bah, voilà, en 12 mois maintenant, j'ai publié trois titres, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer. Donc, je vais laisser passer maintenant, en accord avec Olivier Weyrich et son équipe, on va maintenant laisser passer un an avant de sortir un quatrième opus. Je pense que ce n'est pas plus mal, d'autant que d'autres auteurs viennent de pointer le nez pour une histoire qui se passe notamment à Louvain-la-Neuve, qui est fort bien écrite, qui s'intitule Une mort pas très catholique. Et voilà, qui est écrite par un duo d'écrivains, une dame qui s'appelle Dumont et un monsieur qui s'appelle Dupuis. Et c'est d'ailleurs très réussi. Donc je pense que de mon côté, j'ai pas mal donné jusqu'ici. Je vais m'accorder, disons, 10 ou 11 mois de repos. Tu sais qu'au à ton écrit, quand tu démarres le sujet, tu as déjà un périmètre, c'est-à-dire. Je n'ai pas encore réussi avant de le commencer. Donc pour répondre platement à ta question, j'ai le début, j'ai en tête tous les éléments du prologue, donc de la première scène, de la scène de crime, mais je ne sais pas où je vais ensuite. Voilà, alors il y en a qui ça réussit, il y en a qui disent, bon, je ne pourrais pas écrire comme ça. Dans la majorité des cas, mais là je fais appel à ton expérience, tu connais beaucoup d'auteurs, je pense quand même que pas mal d'auteurs sont comme ça. Ils réunissent des pièces, ils les mettent ensemble, ils ont une idée de départ et puis ils ne savent pas toujours où ils vont. Mais moi j'en suis là maintenant, mais j'aimerais bien une fois structurer totalement mon roman, c'est-à-dire avant d'écrire la première ligne, avoir au moins un squelette qui va de A jusque Z et que je nourrirai ensuite avec des différentes scènes. Mais pour l'instant, je dois reconnaître que je travaille, j'ai un début. Je n'ai pas le reste. Parce que c'est le côté stressant dans l'écriture, c'est quand tu te Ah lâches comme tu le fais ici, sans laisse, sans collier autour du cou et que tu peux courir où tu veux, c'est que tout compte fait quand tu mets le point final, que tu es heureux, ton éditeur te dit, écoute, il y a 175 pages en trop, hein, mon ami. Et ça, je veux Dans le dire. cas présent, je te fais une confidence. Mon éditeur souhaiterait que j'ajoute quelques pages. Oui, Il aimerait d'accord. bien qu'il y en ait un peu plus. Moi, je travaille toujours dans la même tapette, 200, 220 pages. Il aimerait bien en avoir 30 de plus. C'est un point de vue qu'il pourrait défendre. Je ne connais pas les raisons du pourquoi, du comment, mais je trouve que les trois premiers bouquins, avec le rythme qu'il y a dedans, la synthèse d'écriture que tu as, nous permet, je vais dire, de ne pas voir des longueurs, de ne pas voir des répétitions qu'on pourrait trouver dans d'autres plus gros bouquins. Et je dois dire, non, je trouve que c'est un bon nombre de pages et je n'aurais Mais pas c'est tout ça. à fait ça, et en fait l'explication est toute simple. Le premier que j'ai commis, Mort sur la Sambre, que tu avais lu, celui-là était un petit peu plus gros, il faisait je pense 240 ou 250 pages, et l'éditeur me dit c'était un beau volume. Il explique que certaines personnes, sans allonger la sauce, il me dit c'est pas plus mal quoi. Lui il a lu bien évidemment, il me dit quand j'ai terminé, je me suis dit tiens j'aurais bien encore profité d'un chapitre en plus. Voilà, c'est une manière de voir les choses, je crois qu'il n'y a rien de commercial là derrière. Simplement, bah, voilà, on verra bien. De toute manière, moi je me laisse porter par les choses, par les personnages, comme je viens de te le dire. Et puis voilà, le maître mot c'est surtout de ne pas faire des longueurs, bien sûr, ça c'est clair.
Alors, il y a une petite chose aussi que, bon, je me demande si ça ne pourrait pas donner une idée à introduire dans le prochain ouvrage ou un autre ouvrage. C'est un amateur de bière, notre... Oui, de trappiste. Oui, mais il ne visite pas beaucoup les brasseries, ni les petites brasseries, je trouve. Ah, ben écoute, tu touches du doigt... Enfin bon, j'ai beaucoup travaillé à la brasserie de Chimay, sur la brasserie de Chimay. J'ai écrit un gros ouvrage à l'occasion du 175e anniversaire, je pense. Et là, il y a effectivement matière à imaginer quelque chose. Et je ne te cache pas que j'ai déjà deux ou trois scènes du cerveau. Parce que bon, je connais un tout petit peu la région, et disons, j'aimais bien, mais il y a déjà quelques années, c'est la bière Ada, à l'abbaye d'Aune. Bien sûr, il y a là. Et puis un peu plus loin du côté de la bière des Fagnes, évidemment. Bien sûr, là, oui, absolument. Une belle microbrasserie qui était faite par un jeune, Frédéric, je ne sais plus, je me souviens de son nom, mais les parents avaient toute une série de cafés dans toute la région là-bas, et disons... C'est à Mariembourg, hein, oui. À Mariembourg, là-bas, donc voilà, il y a... La brasserie, oui. Il y a aussi la brasserie d'Orval. Oui. Particulièrement bien, parce que j'ai aussi écrit... Ce sont des écrits à caractère journalistique, je dirais, ça n'a rien à voir avec les fictions. Et je connais particulièrement bien aussi la brasserie du Boc, du côté de Burnaud. Oui, oui. Aussi écrit l'histoire de cette brasserie. Donc il y a peut-être là, effectivement, une excellente idée à exploiter, d'autant qu'il y a ce petit côté, à Orval et à Chimay, on peut loger. On peut habiter là-bas, je l'ai fait de côté. Donc on pourrait situer des actions un peu... Parce que tu vois, comme tu parlais évidemment de Binche, moi, comme nous parlons des bières, je me retrouvais déjà à Fosse-la-Ville lors de la Saint-Feuillin. Ah oui. Attention. Là, je te rends le coup du tueur en série. La Saint-Feuillin est une marche septennale, mais qui n'a rien à voir avec la Saint-Feuillin, qui est la bière qui est brassée en Hainaut. Non, tout à fait, mais d'accord, mais ils ont des collaborations étroites malgré tout. Ah, mais bien sûr, oui. La Saint-Feuillin est une excellente bière, ça c'est... Mais donc, tu vois, donc, et c'est vrai, et si on quitte la bière, c'est vrai que dans la région de Binche, il y a de beaux vignobles aussi. Oui, absolument. Donc, je pense que que Stanislas ne s'embêtera pas avec toi. Absolument pas. Mais bon, maintenant, il faut quand même qu'on change un peu l'été. Cela dit, il y a une belle brasserie aussi artisanale à Binche qui s'appelle la Binchoise. Je connais pas. Qui fait quelques bonnes bières. Oui, j'ai dégusté ça à l'occasion, c'était bien. Je n'ai malheureusement pas plus assez d'action dans la brasserie. J'y avais pensé, j'avais pris des photos. Mais voilà, Stanislas ne peut pas tout faire, d'autant que, comme il l'a noté, cette fois-ci, il s'est quand même mis en danger, pas qu'un peu. Il ne court pas trop après sa petite bibliothécaire fiancée de Bruxelles. Disons que à la fin du bouquin, il était un peu fatigué, on va le dire comme ça. Non, parce que bon, dans les différents ouvrages, c'est toujours très prude, c'est toujours très oui, beau, ils sont toujours très contents de se retrouver, ils se retrouvent même souvent dans un bon restaurant aussi. Oui, c'est vrai, c'est mon côté fleur bleue, je n'exploite pas de scène sexuelle, en tout cas pas pour l'instant, donc voilà, j'en reste au rapport, c'est la chair, mais la bonne chair, je dirais, pas la chair qui fait frémir. Bah, cela dit, il y a quand même... de petites choses qui sont suggérées habilement et ironiquement dans certains passages, si tu les as lues. Alors, c'est un peu tôt pour en parler du fait de la période du confinement qu'on a subi. Sur place, dans Binche, comment le livre a-t-il été accueilli? Difficile à dire. Je sais qu'au niveau de la bibliothèque, de la librairie locale, je pense que les choses s'annoncent plutôt bien. Il faut savoir qu'il est seulement en librairie depuis une petite quinzaine de jours. Oui. Et pour l'instant, c'est le bouche à oreille qui circule parce que la presse n'a pas encore parlé de ce nouveau livre. Mais je pense que le début est très encourageant et surtout, oui, ce qui me fait plaisir et qui me rassure, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de remarques acides de la part d'un défenseur du folklore. Donc, je pense... que je n'ai pas commis d'erreur. Non, je pense que du contraire, dans le cadre de la promotion et dans le cadre un petit peu de raconter l'histoire et de voir les dessous qui peuvent se passer au petit matin dans Binche, on serait sûrement très curieux d'arriver dans Binche un peu plus tôt, quoi. Pour des coups. Oui, absolument. Mais là, c'est un privilège.
dans les maisons de Gilles. Alors, je passe dans la scène de l'hôtel de ville. Oui. Tu as eu l'occasion de visiter ce bâtiment. N'en dis pas trop. Oui. Non, non, mais je parle. Je parle au niveau architectural. Quel beau bâtiment. Je parle, j'ai visité. Hein, oui. Tu as visité. Oui, j'ai visité, j'ai pris des photos. Non, non, faut pas avoir peur, je ne révèle jamais rien, mais je tenais à souligner la beauté du bâtiment et que tu décris très bien. Et des points. Beau bâtiment, c'est un très beau bâtiment. Effectivement. Francis, ça fait maintenant près d'une demi-heure que nous parlons. Je pense qu'on a dépassé le temps que j'avais prévu pour ne pas lasser nos auditeurs. Je suis très content d'avoir eu cet entretien avec toi. Et j'espère que maintenant, à la sortie du confinement, tu vas être appelé par tous les libraires du coin, et de la Sambre, et de la Meuse, et de la Lys, pour dire de faire la promotion dans toutes les librairies de ton ouvrage, qui je le conseille vivement, parce qu'encore une fois, c'est une belle écriture, incontestable. Comme je l'ai dit dès le départ, on sent qu'il y a derrière un travail de journaliste qui a bien étudié sur le terrain, qui a le plaisir de l'emploi du bon mot. Ça, c'est impeccable. Et au niveau de l'intrigue, tu es un fameux manipulateur, parce que, comme tu l'as souligné, j'étais parti sur une fausse piste que j'attendais. Je me disais, je suis malin, c'est celui-là qui va sûrement ressortir. Eh bien, que du contraire, c'était pas ça. Je te remercie beaucoup. Merci, Willy. On a passé de bonnes heures à le lire et à le relire, parce qu'on aime bien le lire deux fois. Mais bonne chance au livre, bonne chance à toi, prends soin de toi surtout, Francis. Merci Willy, également de ton côté, puis bonnes vacances. Hein. Bah, c'est sûrement, moi c'est pas se faire dans le coq mes vacances. Merci Willy, à bientôt. Francis. Thank you.